Liverpool, Real de Madrid. Un dispositif policier impressionnant pour la finale de la Ligue des Champions. Le dispositif policier prévu pour la finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real de Madrid ce samedi au Stade de France s'annonce impressionnant. Les images du 7 mai dernier avec des débordements en marge de la finale de la Coupe de France entre Nice et FC Nantes ont notamment marqué les esprits. Samedi soir à 21h, la France accueille la finale de la Ligue des Champions, un des événements les plus regardés de la planète. Plusieurs milliers de supporters de Liverpool et du Real de Madrid sont attendus dans la capitale française pour assister à cette rencontre depuis le Stade de France ou dans les fan zones installées à Paris. Le dispositif policier s'annonce impressionnant, avec une crainte de débordement avant et après la rencontre. La finale de la Coupe de France était un entraînement. Là, c'est notre Ligue des Champions, confie un syndicat de policiers. Depuis plusieurs semaines, les réunions entre l'UEFA, la préfecture de police et les villes concernées sont nombreuses afin d'organiser un événement optimal pour l'ensemble des fans présents en France. Plus de 60 000 supporters de Liverpool sont attendus vendredi et samedi à Paris. L'UEFA a autorisé le club anglais à vendre 22 000 places pour cette rencontre. Des supporters vont donc se retrouver sans ticket dans les rues parisiennes et ils sont estimés à 40 000 et ce sont ces individus qui génèrent une crainte importante au sein des forces de l'ordre. Au total, c'est plus de 3 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés pour sécuriser l'événement selon RMC. Merci de vous abonner à notre chaîne Premium Télévision pour ne rien rater des infos tout azimut, actualités sociopolitiques, culturelles et sportives du 237, du continent et du monde. À bientôt.